Coupe Foloy 2024 Coupe d'Afrique. Alagado en Garzigela. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, les matchs seront répartis entre 6 stades différents, notamment le stade olympique de Bingbé et le stade Félix Houphouët-Boigny, entre autres. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 est à sa 34e édition de la compétition. Dans le cadre de sa participation à cette édition, Éric Séduchel a sélectionné ses joueurs, une liste sur laquelle la population se prononce. Concernant la liste, j'ai eu de la satisfaction comme des mécontentements, car certains joueurs sont sur la liste que j'ai mis et je ne suis pas aussi content de l'absence de certains joueurs. Vraiment, je voulais que la plupart de nos joueurs soient celui qui ont remporté la Coupe du Monde U17, mais malheureusement, ils ne figurent pas parce qu'ils sont performants. Donc, ils pouvaient nous aider à remporter la CAN. Parce que nous avons une performance là, ou comment de mettre au niveau là. Quant à M. Koulibaly, cette liste ne semble pas être la meilleure. Bon, je pense que cette liste n'est pas du tout bonne, car il y a certains qui ne devraient pas être sur la liste, surtout les deux qui sont devant, comme Moussa Doumbia et Koïta. Et puis Koïta était malade récemment. Les matchs qu'il a fait ne dépassent même pas 5. Donc la faute revient à l'entraîneur, parce que c'est à lui de faire la sélection. Et je pense que Magasuba est plus meilleur qu'Éric Séguchel. Contrairement à son prédécesseur, il pense que le choix de l'entraîneur doit être respecté pour des raisons valables. À mon avis, nous devons tous suivre l'entraîneur dans son choix, car il est le seul qui maîtrise ses joueurs. Et je trouve que la liste est bonne. Seulement, nous voulons savoir une seule chose, les noms des joueurs qui figurent sur la liste et qui ne sont pas encore là. Alors, on va savoir comment leurs cas seront gérés. Vont-ils venir ou bien ils seront sur la liste d'attente? Est-ce que vous en avez ou bien vous avez la liste d'attente de la WA ou bien c'est comment? Moussa Djenepo, grand absent de cette liste, beaucoup se réjouissent de la nouvelle. Personnellement, je pense que la liste elle est impeccable, car Séguchel est en train de faire ce que Magasuba ne faisait pas. En plus, il priorise la jeunesse. Les Djenepo n'ont plus leur place à la CAN. Il a pris des joueurs d'expérience, mais c'est la jeunesse qui a été sa priorité, comme Nené Dorjeles, Kamouri, etc. Inch'Allah, on rapportera cette édition. Hey, chap, amina nay. Awana joro la. Male wana joro. Ici won jarani. Mais ay sayma flago fla jarani. J'ai beaucoup aimé la liste et il a fait deux changements que j'ai appréciés. Primo, l'absence de Djenepo, car il n'est pas trop en forme. Donc c'est normal qu'il soit remplacé. Secondo, je veux qu'il remplace Djigui par le gardien de l'AFE Aboubakar Doumbia. Il apprécie trop Djigui. Pourtant, il est trop court pour être gardien. Et c'est lui qui nous met toujours dans l'erreur. S'il respecte mon avis, on a 95% de gagner la CAN. Dans les cas contraires, on a 30 ou 20%. Nous souhaitons tous avoir cette CAN. Si certains ignorent l'importance de Djenepo dans cette liste, tel n'est pas le cas pour Sédou Touré, footballeur. La liste est impeccable et les joueurs sont compétents. Le choix de l'entraîneur lui revient, mais souvent il peut y avoir des erreurs techniques, telles qu'au niveau de Djenepo. Nous sommes tous conscients qu'il n'est pas en forme. Il a fait un effort pour avoir le temps et il espérait aussi participer à la CAN. Même s'il n'a pas joué à 100%, mais à la deuxième mi-temps, parce qu'il a le niveau et la compétence de la CAN. Donc, compte tenu de ses performances, il pouvait jouer dans les 10 dernières minutes pour qu'il puisse montrer son expérience à ses frères. La Côte d'Ivoire accueillera pour la deuxième fois de son histoire la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations 2023. 26 joueurs sont sélectionnés pour la liste des Aigles du Mali avec Éric Séduchel comme entraîneur. Ainsi, les Aigles joueront leur premier match face à l'Afrique du Sud le mardi 16 janvier à partir de 20h au stade Amadou Gonkoulibaly. Cette année, les Maliens espèrent que l'équipe sélectionnée sera à la hauteur des grandes ambitions de ses supporters.